Madame Hélène Chamode? Elle-même. Si vous voulez bien me suivre. Et fermez la porte. La zone de stockage, le cellier. La cuisine, Madame Jamode, avec une vaisselle de grande valeur. Votre domaine. Vous y apporterez les soins les plus attentifs. Tout ici doit briller, Madame Jamode. Ah, encore un détail. Suivez-moi. Désormais, vous vivrez ici. Ce soir, vous servirez le repas à 19 h. Le menu est dans la cuisine. Vous trouverez aussi vos tenues. Vous vous leverez à 6 h. Le petit déjeuner de monsieur et madame est servi à 7 h 30.
des belles tables. Hélène? Madame, vous n'y pensez pas? C'est son premier jour. Oh, merveilleux, ma fille. Tu l'as fait toute seule? C'est la nouvelle cuisinière. Surprenante, cette Hélène. Et quelle table? Monsieur, Hélène n'est qu'une cuisinière. Et si je puis me permettre, anémone. N'a rien à faire dans la cuisine. Anémone, mettez-vous à table. Et remercions Dieu pour ce repas. Mon Dieu, bénissez ce repas. Nous vous rendons grâce. Vous ne devriez pas tolérer Henri ses familiarités avec votre fille. Votre rigueur est déplacée. Hélène, à peine arrivée, amuse déjà Anémone. Vous feriez mieux de vous occuper de Marie. Elle est très mal en point. Isabelle. Et puis Marie est vieille. Vous êtes grotesque. Je peux aider Marie, monsieur. Henri! Ne bougez pas, je reviens. Henri! Henri, vite, le docteur Alfred! J'y vais. Hélène peut vous aider. Hélène? Oh, je vous en prie. Chers amis, Marie est en insuffisance respiratoire et son cœur est très faible. Un seul point positif, la tisane de votre... Cuisinière. De votre cuisinière. Elle a calmé la toux. Docteur Alfred, est-ce que Marie... Elle est au plus mal, chère Isabelle. Il y a peu d'espoir. Je repasse demain.
Hélène est impressionnante. Son dévouement cette nuit. Impressionnante ou inquiétante? Isabelle, qu'allez-vous imaginer? Je n'imagine pas, je ressens. Madame, Marie vous demande. Henri, pouvez-vous prendre des dispositions afin d'organiser la vie de la maison? Ma chérie, vous pouvez compter sur moi. Hélène, venez avec moi. Vous allez vous occuper de la vie quotidienne de la maison. Tant que Marie est malade. Marie se meurt, monsieur. Qu'en savez-vous? Rien, juste la même chose que vous. Qui êtes-vous, Hélène? D'où venez-vous? De la pauvreté, monsieur. Vous trouverez ici la liste des tâches de Marie. Dites-les-moi. Vous ne savez pas lire? Je ne lis que les plantes, monsieur. Elles parlent d'elles-mêmes. Bon, faites au mieux. Si longtemps. Et puis, chaque jour, je me dis, peut-être. Allez, viens, raconte-moi. Je suis gouvernante dans une grande maison. Oh, mais c'est une lourde responsabilité. Il y a des enfants. Une petite fille. Tu as toujours des cauchemars, Hélène. Tu as toujours la passion des plantes. Toujours, oui. Les plantes me parlent. Ne les laisse pas marmonner à ton oreille. Elles me font du bien. Elles ne sont ni le bien ni le mal. Elles sont utiles, dangereuses, anodines. Le plus souvent, tout cela à la fois. Je voudrais qu'elles aident une vieille dame qui se meurt. Hélène, entrons. Je dois te mettre en garde sur ce que tu sais. Votre ambition, monsieur le député, n'est-elle pas trop haute? Et la vôtre, monsieur le professeur? La mienne me semble accessible. C'est surtout la réaction de ma femme que je redoute. Voyez vous-même. Quel rapport avait notre affaire? Vous avez une réputation un peu sulfureuse. Vous plaisantez, j'espère. Monsieur le député, sans vouloir vous offenser, je crains qu'Isabelle ne vous accueille ainsi. Sincèrement, professeur, je n'y comprends rien. C'est notre futur banquier. Discrète. N'est-ce pas ce que vous souhaitiez? Effectivement. Quelle surprise, cependant. En somme, elle tient votre ambition dans sa fortune. Elle a surtout épousé mon ambition, monsieur le député. Vous rayonnez, Isabelle. Cher député, est-ce toujours ainsi que vous abordez les femmes? Bonne journée, Isabelle. Comment avez-vous osé lui dire de remplacer Marie sans m'en parler? Vous m'avez demandé de prendre des mesures. C'est fait. Elles ne me plaisent pas.
Et chère Isabelle, décidez vous-même. Pouvez-vous soulager Marie? Il faut prier pour Marie, monsieur. Soulagez-la. Vous aimez Marie, monsieur. Portez-lui ce bouillon. Qu'est-ce que vous y avez mis? De la valériane, du millepertuis, de l'angélique et un peu d'amour. Vous me disiez qu'elle a pris une tisane il y a 2 heures. Oui, mon mari lui a donné. Depuis combien de temps est-elle calme? Une demi-heure à peine. Son cœur est de plus en plus lent. Elle part, Isabelle. Dans le calme. C'est stupéfiant. Où est Hélène? Elle se repose. Quelque chose ne va pas? Pas du tout, pas du tout. De l'émerveillement. Regardez comme elle est sereine. Elle est déjà ailleurs. Vous voyez, où ça manque d'eau, il y en a trop. On ne peut pas y mettre les bêtes. Il faudrait creuser un petit étang là et y mettre un abreuvoir. Mathurin, on ne peut tout de même pas creuser autour du ruisseau. Il n'y aura pas d'étang, on ne pourra pas mettre les bêtes dans ce champ. Tiens, le député. Député, député, c'est pas lui qui va creuser. C'est fait pour causer, ces gars-là. On verra ça en fin de journée, Mathurin.
Notre petite Adèle, comment va-t-elle ? C'est une belle jeune fille, madame. Vous êtes bien bonne de vous intéresser à notre petite. Non. Vous avez beaucoup donné à notre famille, Joséphine. Vous savez que nous avons perdu Marie. Madoué, je n'étais point au courant. La vieillesse, Joséphine, et des contrariétés qui lui ont fait du mal. Vous allez faire comment, Astor ? Justement, j'aurais besoin d'avoir la petite Adèle. Elle seconderait Hélène. C'est que la petite n'est point sotte, et monsieur le curé pensait qu'elle aurait pu s'occuper du presbytère. C'est une bonne cuisinière ? Madoué, la meilleure du canton pour son âge. Adèle ! Viens, ma fille, on cause de toi avec madame. Et elle apprendra à lire à la ville. Ben, faut voir. 10 francs. Nourrie, logée, blanchie et 2 robes par an. Et une dot pour la marier à la Sainte-Catherine. Combien ? 100 francs. Adèle, ton sac, tu vas chez madame Guignan. Une industrie dans la région ? Certainement. Laquelle ? Fabrique d'armes. Et vous voulez en faire quoi ? L'acquérir. Ils ont des problèmes. C'est le bon moment. Mon ami, vous voilà avec une ambition dont le sens m'échappe. Cher ami, les chemins de la politique sont parfois tortueux. Vous m'intriguez. Cette fabrique d'armes est un sésame pour rentrer au gouvernement. Et monsieur le député, il devient ministre. C'est un tremplin pour ma nomination à la Cour de cassation. Merci Hélène, vous pouvez vous retirer. Et madame Guignan, Isabelle, est la banquière, n'est-ce pas ? Oh, mais vous êtes une petite souillon, Hélène. Vous pourriez vous occuper d'Anémone. Je vous paye pour ça. Au lieu de gober les mouches, Adèle, pour préparer le pain, le vin, les plats, faut tout vous dire, ma fille. Pourquoi tu respectes Adèle ? Elle est godiche. Adèle, godiche. Adèle, godiche. Adèle, godiche. Qui vous a appris ce langage ? Hélène, vous vous permettez trop de choses. Faites vos excuses à Adèle. Cela n'arrivera plus, madame.
Que pensez-vous du projet de notre ami député ? Donnez-moi deux bonnes raisons de devenir votre banquière. Vous serez la femme d'un magistrat de la Cour de cassation et une journaliste mondaine influente. Des raisons tangibles, pas des suppositions. Que vous faut-il, madame, pour que vous acceptiez ? Que vous soyez ministre et moi, présidente de la société. Venez faire un tour, monsieur le député. Les négociations seront fermes. Hélène, il me plairait que vous soyez gentille avec Adèle. Vous avez compris, madame, je la traite comme Marie l'aurait fait. Il me faut 30 000 francs. Une métairie, député. Vous y allez un peu fort. Vous y gagnerez le triple en misant sur l'industrie. L'industrie n'est peut-être pas aussi généreuse que vous le souhaitez. Souriez, monsieur le député. C'est une excellente affaire, madame. Croyez-moi. Oh, les hommes politiques sont rarement des hommes d'affaires avisés. La France est un grand pays, Isabelle. Elle aura toujours une armée en rapport. C'est vrai. Que diriez-vous d'un protocole d'accord préparé par Henri ? Que du bien, madame. Vraiment, que du bien. Une journée formidable. Hélène s'intéresse trop à l'anémone. Peut-être que vous ne vous y intéressez pas assez. Isabelle, vous ici dans les greniers du journal. Un problème ? Ou alors votre dernière production vous brûle les doigts ? Seulement une interrogation, Jean. Connaissez-vous monsieur le député ? Vous vous intéressez à lui ? C'est plutôt lui qui s'intéresse à moi. Il aime toutes les belles femmes. On raconte plein de choses sur lui. Mais qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est vrai ? C'est un manipulateur. Un ambitieux. Mais sans trop de casseroles. Ça vous va ? Oui, je m'attendais à pire. Mon dernier article ? Ah, un plaisir de travailler avec vous. Dites à madame que je suis arrivé. Elle est à son journal, monsieur. Anémone est malade. Madame m'a demandé à Adèle de s'en occuper. Rien de grave, je présume. Ça empire. Et pourquoi vous n'en prenez pas soin ? Madame ne le désire pas. Elle semble très liée à Adèle. Vous n'avez guère d'amitié pour Adèle, il me semble. Venez. Il ne faut pas laisser Anémone dans cet état. Monsieur, je peux rien faire. Retirez-vous, Adèle. Hélène va s'en occuper. Adèle, amenez-moi le bol de bouillon que j'ai préparé pour notre petite anémone.
Faut qu'il soit bien chaud. Que faites-vous là, Hélène? Calmez-vous, je vous prie. C'est moi qui l'ai fait venir. Et ça, c'est quoi? Une boisson qu'Hélène a préparée. Henri, depuis quand vous permettez-vous de contredire mes consignes? Hélène vous a ensorcelé. Et savez-vous au moins ce qu'il y a dans ce breuvage? Certainement de quoi soulager notre fille. Je vous attends dans le salon. Madame, je fais comme ma mère. Oui, comme votre mère. Ah, oui. Hélène prend beaucoup trop de place dans cette maison et vous l'encouragez. Auriez-vous l'intention de vous occuper de tout, comme mari? Hélène est une inconnue. Et vous semblez si... Si quoi? Seriez-vous jalouse? Vous divaguez. Moi, jalouse d'une domestique. Vous tombez bien bas. Hélène, vous observateur, qu'aurions-nous fait avec Marie sans Hélène? Ce que Dieu nous aurait dicté. Hélène est une domestique. Elle doit obéir. Mais c'est ce qu'elle a fait, ma chère Isabelle. Elle ne s'est pas occupée d'Anémone. Adèle est un peu jeune. Ne lui en demandez pas trop. C'est la fille de ma nourrice, un peu... comme une petite sœur. C'est qu'une domestique sans expérience. Tante Hélène, je n'ai plus besoin de ton bouillon. Il n'est pas bon. Un dernier bol. C'est promis. Père, dites à Tante Hélène d'arrêter de m'obliger à boire. Un dernier bol avant de dormir. Et demain, promenade. Hélène est gentille avec moi. Mais Anémone, Hélène n'est pas ta tante. C'est juste une servante. Mis de côté la commande, je passe la prendre. Pour sûr, elle est prête. Ils m'ont que le potiron que j'aurai demain. Dites-moi, vous avez une nouvelle aide, Hélène? Oh, elle va mauvaise, cette petite Adèle. Avec madame, c'est bizarre. Il s'est passé quelque chose il y a bien longtemps. Ma voisine, la boulangère, m'avait dit quelque chose comme ça. Arrêtez pas tromperie. Oh, c'était bien avant. Elle n'était pas mariée. C'est pas bien. À tout de suite, madame Chaumine. Vous me donnerez quelques détails, Hélène. Conan, je fais de mon mieux pour qu'il m'aime. Dites-leur tout ça. Moi, je suis pas grand-chose, mais vous.
Madame n'est pas là ce soir pour dîner. Anémone, une petite course dans les bois? Vous n'y pensez pas, Hélène, elle va prendre froid. Non, je suis guérie. Donnez-lui le châle que madame vous a offert. Allez, tante, la nuit va. Va te couvrir, je te rejoins. Chapelle de Marie? Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu le loup? Il y a une personne derrière un arbre. Attends-moi. Allez, viens, Némone, on rentre. Tu vas dans le salon et tu prends tes jouets. Et toi, tu vas où? Dans la cuisine, avec Adèle. Chère Adèle, on dirait de la fièvre. Je vais vous faire une tisane. Ça va me faire du bien aussi. C'est chaud. Je vous en ferai une pour la nuit. Il se fait tard. Une petite. Adèle l'a déjà fait? Non. Adèle a eu un petit malaise. Un malaise? Elle a pris froid. Thank you.
Un lieu bien étrange, monsieur le député. Un lieu discret. Pour une rumeur qu'il est moins. Rumeur? Vous avez bien dit rumeur? Cher ami, il se raconte en ville que votre épouse aurait une fille cachée, en dehors de tout mariage. Monsieur le député, vous mangez dans les poubelles maintenant? Je ne vous dis ça que pour notre bien. Vous salissez ma femme. Ce n'est qu'une rumeur. Comprenez qu'on pourrait s'en passer. Et d'où vient-elle? Elle circule dans la mairie. Demain, elle sera dans la presse. Personne n'est au courant de notre projet, sauf vous. Où est mon intérêt? Il se dit aussi que votre femme emploie cette jeune fille comme domestique. Vous êtes ignoble! Vous pouvez dire adieu à votre industrie d'armement. Henri, peut-être que cette lettre du président du conseil vous attendrira. La rumeur, Henri, comment fait-on? Elle est sans fondement. La maman de cette jeune fille a été la nourrice de mon épouse. La rumeur, à qui profite-t-elle? Cherchez. Oui, madame. En voyant monsieur, madame ne rentre que demain. Et elle est? Elle n'est pas au mieux. C'est-à-dire? Elle a un peu de fièvre, le nez bouché, des tremblements dans les mains. Elle a dû attraper froid. Elle a dû attraper froid? Je suppose. Qu'allez-vous imaginer? Vous ne l'aimez pas beaucoup. Pas autant que vous. Je dois voir ma fille. Et moi, Adèle, pour son inhalation. Mon Dieu, tu vois que je les aime. Mais eux, ils me détestent. Pas Anémone ni monsieur, mais madame et cette sale petite Adèle. Oblige-les à m'aimer. Amen. Votre femme ne m'aime pas. Pourquoi vous aimerait-elle? Vous êtes sa domestique. Elle boit Adèle des yeux. Elle a vu naître Adèle. Seriez-vous jalouse?
Pas ici. Demain. Oubliez ce que je viens de dire. Raconte-moi, Adèle, ce que tu faisais avant de venir ici. Je travaillais à la ferme, avec les vaches. Elles étaient malades, tes vaches? Ça arrivait, oui. Même qu'il y en avait une, Rosiole, elle était pas fière quand je suis partie. Elle respirait pas bien? Elle était bien, moi aussi. J'ai lu récemment, dans l'une de nos revues, qu'un savant d'Aven parle d'une bactéridie qui ressemble fort à ce qu'a la petite. Adèle n'est pas une vache, docteur. Selon toute vraisemblance, mais il suffit de vivre avec. Eh bien, nous voilà bien. D'abord Marie, puis Anémone. Et maintenant Adèle. On va lui poser des ventouses pour aspirer le mal. Il faudra lui faire 2 cataplasmes par jour, avec du camf, la moutarde, on verra après. Hélène sait faire ça. Hélène. Encore Hélène. Vous-même. Docteur Alfred n'a rien dit de semblable. Vous devriez en prendre une, ça vous calmera. Hélène, c'est à contre-cœur que je vous laisse vous occuper d'Adèle. Le docteur Alfred a plus d'amour que vous. Cessez votre insolence, petite paysanne. Si vous voulez rester dans cette maison. Henri, je voudrais vous entretenir de mon désagrément. Hélène est extrêmement insolente. Je ne peux l'accepter plus longtemps. J'aimerais faire cesser des propos malveillants tenus en ville sur votre compte. Cela me semble plus important qu'Hélène. Expliquez-vous. Il se dit, sans la citer, qu'Adèle serait votre enfant illégitime. Et vous donnez corps à ces sornettes? Ces sornettes, comme vous dites, mettent en danger notre projet avec monsieur le député. Votre député est un sale arriviste, trop bedonnant pour être honnête. Vous désirez autant que moi, il me semble, que j'entre à la cour de cassation. C'est le moins que vous puissiez m'apporter. Paris sera ravi de vous accueillir. Il ne le sera que si je le veux. Je déteste cette conversation, et surtout votre hargne. Si vous ne supportez plus mon ambition, divorcez. Depuis qu'Hélène ait franchi le seuil de cette demeure, tout se désagrège. Hélène, un instant.
connaître, petite Adèle? Avec son cataplasme, elle sue de partout, monsieur. Je vais lui refaire une tisane. Faites. Que décidez-vous? D'où vient cette rumeur? Qui a un intérêt? Hélène? Elle déteste Adèle. Isabelle, délirée. Nous verrons cela plus tard. Demain, je m'occupe de cette rumeur. Buvez, c'est le médecin qui l'a dit. Sortez, Hélène. Je vous sonnerai si j'ai besoin de vous. Madame. J'ai peur d'Hélène. Je voudrais voir ma mère. Non, quand même. Hélène n'est qu'une vieille fille jalouse de toi. Ma mère, promettez-moi. Promis. C'est promis. Je l'enverrai chercher. Hélène est un désastre. Vous avez de la suite dans vos rancœurs. Adèle ne veut pas d'Hélène. Elle réclame sa mère. Soignez-la. Vous-même. Après tout, vous êtes un peu de la même famille. Vous devriez demander à Hélène comment faire une tisane qui fasse du bien à Adèle. Demandez-le lui. J'ai besoin de changer d'air. Un remède miracle. Hélène, on dirait que vous avez vu le diable. Un mauvais souvenir. Que faites-vous? Oh, la racine de valériane. Une odeur désagréable. En effet, ça fait vraiment dormir. Avec un peu de passiflore, c'est mieux. Qui vous a appris? Une vieille dame. Êtes-vous vraiment celle que vous prétendez être? Je ne suis qu'une domestique. Goûtez, je vais en refaire pour Adèle.
Madame, je ne dispose d'aucun pouvoir si je signe ce protocole. Vous en aurez l'apparence, c'est déjà beaucoup. Croyez-moi, les affaires de la défense se font à Paris, pas ici en province. Ça tombe bien, nous serons voisins, n'est-ce pas Henri? Si je suis magistrat à la Cour de cassation. Cela dépend de monsieur le futur ministre. C'est ça ou rien. Mon journal, monsieur le député, a rectifié la rumeur. Nous vous en sommes très reconnaissants. Mon journal, d'excellente réputation, comme vous le savez, pourrait dévoiler vos ambitions. Personne ne saura que vous êtes gouverné par une femme. Je comprends pas ce qui se passe. Côté respiratoire, c'était mieux ce matin. Et ce soir, ce sont des vomissements, de la diarrhée. Elle était seule avec Hélène toute la journée. Sa mère n'arrivera que demain. Isabelle, vous êtes en train d'accuser Hélène. Savez-vous de quoi? Docteur Alfred, il y a quelque chose d'anormal. Je vous l'accorde. Mais quoi, Isabelle? Des vomissements, de la forte toux. Je vois ça tous les jours. Docteur Alfred, vous avez confiance en Hélène? Isabelle, Hélène a été fantastique avec Marie, dévouée pour Anémone. Pourquoi voulez-vous que ce soit différent pour Adèle? Je ne sais pas, un pressentiment, une angoisse stupide peut-être. Hélène me fait peur. Je peux lui parler, si vous le souhaitez. Oh, excellente idée, docteur. Et si ce n'est pas abusé de vous? Vous partagerez notre repas. Cachez quelque chose, Hélène. Cachez? Cachez quoi? Que s'est-il passé cet après-midi avec Adèle? Oh, je suis bien triste, docteur. Adèle fuit mes soins. Elle a bu qu'un petit bol de potage. Vous lui avez refait son cataplasme? Vous n'y pensez pas. Elle a tout arraché, elle m'a insulté. Elle faisait que demander sa mère. Vous l'avez dit à madame et monsieur quand ils sont rentrés ce soir? Non. Madame ne m'aurait pas cru. N'êtes pas sérieuse, Hélène. Ce n'est pas à vous d'en décider. Que lui avez-vous préparé pour ce soir? Le même repas que madame et monsieur, avec plus de viande, comme vous l'avez demandé. Ramenez-le, Hélène, et servez-le-nous. Hélène fait ce qu'elle peut, Isabelle. Voilà, monsieur le docteur, le plat d'Adèle. Je m'en occupe tout de suite.
elle a mangé. Pas tout, mais mieux que je l'espérais. Mes amis, vous avez là une excellente cuisinière. Vous n'êtes pas comme Isabelle, docteur. Vous lui trouvez quelques qualités. Demain, Aden ne va pas mieux. Je ne laisse plus Hélène l'approcher. Demain, sa mère sera là. Ça ira mieux. J'en suis convaincu, chers amis, mais ne m'en voulez pas. Je ne puis rester plus longtemps. Je vous accompagne, docteur. Si ça ne s'améliore pas, chère Isabelle, je repasserai demain. Nous purgerons alors Aden. Adèle a besoin de voir monsieur le curé. Elle va mourir. Hélène, c'est votre dernier jour dans cette maison. Préparez votre baluchon. Vous êtes vraiment facilitante. Je n'ai pas votre talent, mais j'ai quelque chose à vérifier. Donnez ceci à manger au chat. Et c'est ce que nous avons mangé hier? C'est ce qu'Adèle a mangé hier. D'où vient cette grande peur? Le chaton est blanc, que je pue. Adèle est morte. Tu me chasses. Madame Hélène Jamoux, née à Kerhor-Devin, en Pluynec, en 1893, c'est bien ça? C'est le nom qu'on me donne. Vous savez pourquoi vous êtes là? Non. Vous êtes soupçonné de crime contre Adèle Légal, domestique chez monsieur et madame Guignan. La pauvre petite Adèle, elle méritait pas ça.
Vous reconnaissez l'avoir tué? J'ai rien fait de mal, monsieur le juge. J'ai jamais pu soigner la petite Adèle, elle voulait pas. Bah, vous lui avez donné du poison. Que Dieu me conduise en enfer, si ça est vrai. Et la mort du chat, qu'en faites-vous? Monsieur le curé m'a toujours dit que le chat n'avait pas d'âme. C'est pas une raison pour les tuer. C'est madame qui l'a fait. Nous poursuivrons demain. Docteur Alfred, Hélène est-elle capable de meurtre? Je n'en sais rien. Elle s'est merveilleusement occupée de Marie et d'Anémone. Elle n'aimait pas Adèle, mais de la tuer. Vous m'aviez dit que vous trouviez Hélène surprenante. Oui, par sa connaissance des plantes. N'est-ce pas là le lien qui la rend dangereuse? Ce n'est pas à moi de juger. Enfin, Madame Guignan se doutait de quelque chose. Ajoutez-y les vomissements. J'ai là les résultats de l'autopsie de la jeune Adèle. Inflammation de l'appareil digestif, perforation intestinale, arsenic. Vous auriez pu supputer l'étrangeté d'une maladie subite chez une très jeune femme. Il n'y a pas beaucoup de criminels dans ma clientèle. Je ne sais pas supputer ce genre de choses. Autrement dit, la médecine ne voit pas grand-chose. Ce sera tout, docteur. Madame Jameau, partout où vous êtes passée, il y a eu beaucoup de morts. La maladie traîne partout, monsieur le juge. Chez le curé de Guerne, il y a eu 5 morts. Sa nièce, domestique comme vous, son père, sa mère, lui-même et votre sœur. Je prie Dieu tous les jours pour eux. C'est Dieu qui a rappelé le curé de Bubry et l'enfant de monsieur Dupuis à Lorient. Qui d'autre, monsieur le juge, peut savoir si c'est l'heure? Vous avez accompagné la main de Dieu. Pourquoi? Je ne les ai jamais rendus malades, monsieur le juge. Je les ai soignés, autant que Dieu l'a bien voulu. J'ai là les résultats de l'autopsie de la jeune Adèle. Tout porte à croire qu'elle a été empoisonnée. Inflammation du système digestif, perforation intestinale, arsenic. Comme à Guerre. Vous avez assassiné Adèle. Vous êtes comme les autres. Vous me détestez. C'est pour ça que vous les tuez, parce que vous les détestez. J'ai jamais tué personne. J'ai soigné des gens qui allaient mourir, comme mon père a soigné ma mère. Oui, il faudra convaincre le tribunal, Madame Jameau. Je vous accuse de meurtre sur la personne d'Adèle Légal, domestique chez monsieur et madame Guignan. Accusé, levez-vous. Mesdames et messieurs les jurés, avez-vous prononcé votre jugement? Oui. Madame Jameaud, née à Cahors-de-Vin en Plouinec, a-t-elle assassiné mademoiselle Adèle Légal? Oui. Madame Jameaud, vous êtes condamnée à la peine capitale par décapitation. Thank you.
époque, Hélène. Reste là. Aide-moi. Thank you.